Bienvenue dans cette capsule intemporelle 27. Alors comme d'habitude, je découvre avec vous le jeu. En première carte, ici les deux premières, donc le magicien, une carte qui s'appelle Oméga. Ensuite les trois cartes astrologiques avec la maison, le signe et la planète. Et puis les quatre dernières cartes avec un point qui indique sur quoi travailler. Le deuxième point, c'est sur quoi se concentrer. Le troisième, c'est l'évolution probable, possible. Ensuite, on a la dernière carte qui indique la meilleure façon d'agir. Et puis la carte de conseil qui est encore retournée, qu'on dévoilera en dernier. Donc, je pense... au premier regard, qu'il y a donc une situation où on est dans une période intermédiaire, donc entre la fin de quelque chose et le début d'une autre période. On cherche donc à trouver de nouveaux repères, des nouveaux paramètres, et je pense tout de suite... à une rencontre. Alors pour moi c'est pas encore une rencontre amoureuse, néanmoins c'est une rencontre qui est importante au point de vue des cartes astrologiques. On a la maison 5, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de maison mais j'ai pas mis de chiffres. Là c'est la maison 5, donc la maison des amours, la maison des plaisirs, la maison des enfants, des projets, des choses qui ne sont pas terminées, qui sont en cours pour moi. Et donc, je pense que comme il y a ce début là et sur cette ligne-là avec cette carte-ci qui s'appelle l'instinctive, je pense que c'est une rencontre très importante. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de couple vraiment, c'est-à-dire de couple, de vie sentimentale amoureuse. C'est une période de découverte, une période où on fait connaissance, on prend le temps de faire connaissance. Néanmoins, il y a beaucoup d'attirance, de désir. Et l'objectif, je pense, c'est vraiment de former un couple. Alors... étant donné que c'est la maison 5, ça ne va pas être pour former un couple sur une longue période. Pour moi, c'est un couple de type, si on peut classer, entre guillemets, donc un couple, sur une période estivale, par exemple. Enfin, une courte période, voilà. Ce n'est pas dans le but de faire alliance, d'aller vers un mariage, des choses comme ça. Pas du tout. C'est pour passer des moments ensemble, faire des sorties, etc. etc. Donc, sur le premier point, ici, sur les cartes du bas, avec le premier point, on a sur quoi travailler. Donc, c'est la carte de l'instinctive. Et donc, je le répète, donc c'est une rencontre pour moi qui est très importante, qui est flamboyante, qui... je crois que la séduction a été très forte et l'attirance aussi. Et donc vous avez succombé aux sollicitations de la personne en question qui est à vos côtés, je pense, en ce moment, où vous êtes sur le point de succomber. Et... sur le point suivant, qui parle de sur quoi il faut se concentrer, je pense qu'il y a... vous êtes très troublé, en fait. Et donc, vous êtes dans une période d'introspection. Et en même temps, il y a peut-être de votre part ou de la part de l'autre personne, de la manipulation, c'est-à-dire pas dans son sens négatif. Là, c'est plutôt proche de la séduction. Et donc, elle cherche en fait à vous séduire peut-être vous amener sous son emprise. Alors, homme ou femme, bien sûr, hein, je n'ai pas précisé parce qu'il n'y a pas de ce genre d'informations là. On parle plutôt d'énergie. Donc, vous amenez sous son emprise. Sur le troisième point, on a la carte de l'assuré qui est dans son sens renversé. Et on parle donc de l'évolution possible. Et habituellement, quand elle est à l'endroit, cette carte, elle parle d'assurance, de confiance en soi. Et je pense là plutôt qu'il y a une perte de vos repères habituels. Comme si vous étiez sur un petit nuage. Et en même temps, il y a des signaux que vous renvoyez, des signaux corporels, des signaux par votre manière de vous exprimer qui renvoient des signes qui ne correspondent pas à ce que vous voulez transmettre comme message, envoyer comme message. Et il y a cette idée encore de trouble et d'emprise qui vous empêche d'être, en fait, de fonctionner de manière naturelle. Alors, j'ai envie de rajouter, en fait, une carte sur les deux points dont je viens de parler pour éclaircir un peu la, je pense, éclaircir, approfondir la situation. On va prendre deux cartes, donc. Une ici et l'autre là. Alors, on retourne. Ah oui, donc j'ai parlé de troubles tout à l'heure. Et alors, je vais vous les montrer. Effectivement, il y a... donc, alors, sur le deuxième point, qui parle sur quoi se concentrer, on a en association avec la lucide, que je vous ai montré tout à l'heure, on a cette carte de l'éperdu. Alors, pour moi, ça parle d'un grand trouble, de confusion et de perte de repères, comme je le disais sur le point suivant. Eh bien, ça commence en fait sur le point d'avant. Et là, on vous dit qu'il faut vous concentrer là-dessus pour en sortir, en fait, de cette emprise qui vous trouble beaucoup. Sur le troisième point, on a l'association de l'assuré, que je vous remontre, et qui est associée avec l'angelot, et qui est renversée aussi. Alors là, je pense qu'il y a toujours cette idée de trouble qui fait que vous vous mettez en retrait, que vous cherchez à quelque part à vous protéger, et que vous hésitez à vous exprimer clairement. Donc, je pense par contre que, au vu de la carte, la dernière carte qui se présente, c'est bah, évidemment, c'est en fait la carte du présent. Et pour moi, ça veut dire que, justement, vous allez retrouver vos repères. Ça va prendre un certain temps parce que, pour le moment, c'est pas le cas. Et vous allez retrouver quand même vos repères. Et en même temps, avec cette carte du présent, on est toujours dans ce dont on a parlé au tout début, c'est-à-dire une période intermédiaire avec quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'apprête à démarrer, un cycle qui s'apprête à démarrer, un renouveau. Mais vous avez à clarifier quand même vos intentions parce que je pense que vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude. Voilà. Et je pense que vous avez été très surpris peut-être par une nouvelle, par une information qu'on vous a donnée. Et alors que vous ne tenez pas à en parler, on le voit avec les cartes ici, vous ne tenez pas à en parler, à divulguer peut-être que c'est un secret, que vous ne tenez pas à divulguer donc cette information, mais ça vous trouble beaucoup. Alors, on va voir ensemble la carte conseil qui est révélation de la beauté du pan. Donc, je vous montre cette carte. Et cette carte conseil, en parlant de révélation, vous voyez, on parlait de secret. Et en fait, là, elle vient vous dire de clarifier vos intentions, ce qu'on vient juste de signaler en fait, de clarifier vos intentions et de les confier par contre à l'univers pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent se concrétiser. Ne les gardez pas à l'esprit seulement. Et elle signale également que vous êtes dans cette période intermédiaire en train de vivre le fait que votre créativité est en train de grandir, d'évoluer très fortement et de grandir. Voilà, très cher, pour ce tirage de la capsule intemporelle numéro 27. Je vous souhaite une très belle continuation, un bel été et de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou si vous partez un peu plus tard. Voilà, au revoir.